fatigué, bien sûr, hein, parce que bon, ces matchs à émotion aussi, c'est pas toujours facile. Mais sinon, ça va bien. Là, cette semaine, on a perdu quelques garçons qui sont en sélection. Et on a aussi quelques garçons qui ont besoin de souffler parce que le tirail manque. Donc, c'est pour ça que vous ne les voyez pas aujourd'hui, mais il n'y a rien de grand. Comment est-ce que vous abordez cette dernière période, cette fin de saison qui peut amener la LSS, et on le souhaite tous ici, jusqu'en Ligue 1? Ouais, ça sera très important déjà d'avoir le soutien du public ici, mais ça, on n'en a pas de doute. On a vu contre Auxerre ce que ça pouvait donner. On a besoin du deuxième homme, il est présent. Comment on aborde? Avec toute la concentration possible, minimum de blessures et de suspensions, c'est ce qu'on souhaite, pour avoir toutes nos armes pour bien finaliser ces 9 matchs qu'on considère comme des finales. Voilà, donc on va se concentrer sur nous-mêmes, voilà, et puis après, en espérant de grappiller un maximum de points sur notre adversaire. Nous aussi, on va se concentrer pour être très fort, très puissant dans les tribunes. Un entraînement particulier ici, ce soir, dans le chaudron, sur cette pelouse du stade Jean-Paul Guichard. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Comment vous allez travailler votre entraînement? On va s'organiser. Donc, on a eu un entraînement déjà ce matin, mais c'est pour ça qu'on ne fera pas un entraînement très très long. Mais on a prévu de faire un petit échauffement à base de taureaux, ce qu'on appelle le taureau, c'est-à-dire travailler sur des espaces très réduits pour aller vite, voir vite. C'est à la fois ludique et très technique. On passera sur des séquences de conservation de balles. On travaille cette conservation dont on a parfois besoin en match. Donc on le fera sur deux formes, une forme avec les gardiens dans le jeu. Après, on passera sur un autre jeu où on prend un peu plus de distance, pas les gardiens dans les buts. Il y a beaucoup plus de spectacle, je dois dire. Et qu'on retrouve un peu plus si on retrouve en match, mais sur des surfaces réduites, ça va pas. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos abonnés, à notre club 12e homme, comment est-ce qu'on prépare une semaine de travail, une semaine d'entraînement? Comment est-ce que le coach et son équipe travaillent avec son staff pour un essai? Je vais vous faire un résumé d'une semaine de travail. Donc, le lendemain du match, on est en repos. Les joueurs en repos, le staff travaille sur la vidéo, parce qu'on voit le match et on en découvre. Quand les joueurs arrivent sur le lendemain, on fasse un débriefing du match, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on avait prévu, ce qui s'est bien passé, moins bien. Voilà, donc ça prend une bonne demi-heure avec les joueurs. Donc il y a un gros travail du staff la veille et le matin. Voilà. Donc, et après, on partage le groupe en deux, ceux qui ont les titulaires. Donc les titulaires vont faire un dépassage, c'est beaucoup plus cool, plus tranquille. Et après, ceux qui ont moins joué, moins de temps de jeu, on rajoute du travail physique, mais avec ballon, pour que ça reste quand même sur le côté assez vite. Et après, on attaque notre semaine de travail, c'est sur un mardi, mercredi, plus intense, avec le travail physique. Il y a aussi de la tactique. Voilà, donc, on insère, suivant les semaines, sur l'adversaire, suivant comment on est, s'il n'y a pas trop de fatigue, etc. On met plus d'intensité ou moins d'intensité. Le jeudi, on coupe un petit peu, entre guillemets. Voilà, il y a moins d'intensité, on est un peu plus sur les coups de piraterie, sur la stratégie. Et le vendredi, on est un peu plus sur de la vitesse, de la réaction. Et puis aussi, on revient sur stratégie et tactique. Et on est prêt pour le match du lendemain. En tous les cas, ça marche bien avec les super résultats que vous nous offrez en ce moment. Innovation, s'il vous plaît. Un vrai applaudissement. Pour Olivier Le Pignot, pour vous. Celui qui part. Hein. Et puis après, il y a des personnes qui travaillent. On n'a que des spécialistes à tous les postes, préparation physique, analyse vidéo, adjoint. Donc il y a un vrai travail d'équipe derrière l'équipe. Merci Olivier, merci beaucoup. Olivier Damouillon.